Yo l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'Est sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous postons une vidéo sur chaîne que vous avez information sans problème. Patrice, qui est petit directeur Athanas dans la ville Gonaïve, a perdu la ville hier soir dans la zone bien active. 8 aux environs de 9h47 comme ça. Jusqu'à présent, l'État recevra plusieurs balles, mais jusqu'à présent, pour qu'on gagne aucun détail sur qui circonstance qui est à cause que Patrice perdit la ville hier au soir dans la ville Gonaïve. Ex-porte-parole ou bien ancien porte-parole PNH dans le département de l'Artibonite, Maxin, pour échapper des justesses hier matin dans la zone de la Croix-Perisse à une tentative d'assassinat. Inspecteur divisionnaire est appris dans le travail dans la ville Gonaïve. Bandit à examen Koko Atsa Rasso télévri kou zam sou machine nan, c'est de justesse li sauver la ville. Pour Pipiti, t'as gagné 5 sous-commissariats dans le département de l'Artibonite là qui ferme porte sur rivière l'Artibonite, Leste, Villa, des âmes, Verrettes, Liankou. Jusqu'à présent, pour qu'on gagne aucun monde qui dit rien sur situation insécurité ça cap développé dans ville dans le département de l'Artibonite là. Entre-temps, gagné diverses personnalités parmi eux responsable MEDA avec président entrepreneur, association entrepreneur qui demande aux populations pour utiliser légitime défense pour défendre tête chaud. 8 monde joindre arrestation, 6 l'autre blessé, avec 3 bandits mourir, c'est à bilan la police dans le département nord, un pays d'Haïti présenté après déroulement carnaval 2023 dans la ville au Cap. On peut aller directement dans la ville Saint-Marc, situation qui a développé dans le moment où on a parlé là, bon immigration, bon tribunal là dans la ville Saint-Marc, côté la vérité qui déjà a planté Piquetcho. Nous allons joindre collaborateurs nous, 1100 Madeus qui sont sur place dans la ville Saint-Marc, qui va dire nous qui ça information et 1100 et où sur place, information qui s'allie, qui situation qui a développé qu'on y a. Bonjour Deyi, bonjour tout le monde de la Zone Pyramide. Non, oui, bah, si vous êtes à l'étranger grâce à Internet là, l'information c'est que dans le bureau d'immigration, ils ont décanté les gens, ils ont un jour pour femmes seulement, donc aujourd'hui c'est femmes seulement, il y a un jour pour demain pour garçons, et puis après ça, il y a un jour si vous êtes petit, il y a des jours rendez-vous là, où c'est rendez-vous, les gens veulent faire des passeports, alors que il y a un monsieur qui a une agence, il y a plus que moi, il y a marché, il va faire un passeport. Je ne vais pas respecter et monsieur décide pour faire un mouvement. Alors, comme vous pouvez, le pays de mots qui sont là, c'est qu'à empêcher pour des autres affaires au niveau du bureau d'immigration. Le commissaire gouvernement, même qu'il a tout, la PC, organiser Mounio pour eux-mêmes, ils sont capables de faire passeport. Mais, monsieur agent, ils ont parlé, ils ont fait bruit. Et on peut annoncer que à partir de 10h là, si on va recevoir, eh bien, il y a là donc il y a une chaîne, non mais au cas où mais je dis que il y a cadenassé, il y a fermé, quoi. Mais des comme dit en fait qui les voit éducation, les monde marcher à faire, pour ça rentrer dedans, pour ça faire façon Bawel, base il est possible mais Bawel Bawel dit tout qu'il a fait puisque dedans il est rempli avec mon seulement mon qui là, il y a mon tout qui camper et mon ça faut ta passer avant venir en dehors et ils empêcher mon dehors et le bureau immigration chargé avec mon et puis nous avons tout et donc journaliste qui travaille Radio Max il dit que n'a pousse la il doit pousser il recevoir plusieurs coups dans mes yo je pense et pour moi-même, ça ne va pas parler parce que je ne peux pas frapper les journalistes, mais je ne peux pas expliquer vraiment Jean Saïe, mais les journalistes ont dit lui-même, il prend un coup. Non, mais il a vu un coup, mais lui-même, il prend un coup, il peut aller plusieurs coups avec Badji dans le cool comme employé Radio Max. Donc, c'est une situation dans le moment là qui est très tendue. Et tout le monde est capable de passer, il est capable de convertir en manifestation, il est capable de sit-in, il est capable de tout le pouvoir, il est capable. Alors que tout, PDG Radio Tata, Marc-Antoine qui est dans les mêmes tout agents, il est venu, il dit depuis 6h du matin, il est là, et jusqu'à présent, il va prendre un bon boulet, et monsieur qui est en bas, il a plongé le doigt sous les comme quoi, il est dans la boucle des affaires. Et puis il est obligé de sortir, prendre un autre monde, et un autre agence, à le monter à aller pour elle-même, jusqu'à présent, il ne peut jamais passer au monde, alors que le monde passe dans le bureau et fait tout donner, tout dossier, pour venir faire passeport au parc à faire. Cependant, moi-même, je rentre dans tout, je parle avec ADM. ADM dit que il y a un jour passeport à 10 heures, il dit qu'il va recevoir à l'agence. Et il dit que tout pour qui est en dedans, qui n'est pas légal, il va mettre dehors pour recevoir à l'agence. Et il montre tout. Il y a trois ordinateurs qui travaillent et il dit que service rapide. Et il dit qu'il n'y a pas de problème pour quitter l'espace là jusqu'à 10h, 9h soir pour continuer la population. Donc, ADM dans le même lit là, et il y a un directeur et Wash qui va là, pour les habitants de Gonaïve, et ADM dans le sens et Abjouol là, et puis il y a un commissaire gouvernement qui est là, il y a un Idmo qui est là, qui Jean et Bureau lui-même, il est capable de fonctionner. Mais c'est une situation difficile. Si on a vu son passeport, ou vu son passeport, là, on vient devant l'immigration, on m'a demandé qui sont venus là, est-ce qu'on peut passer, sont venus là, on pose pile de questions que vous ne pouvez pas répondre, tellement c'est une situation difficile, même barrière n'a pas accès à elle. Dans le moment où je quitté le bureau d'immigration, il y a des policiers qui font couloir, en couloir par exemple. Parce que moi-même, pour être privé devant la porte là, ils sont aux gens pour quitter l'espace là vite. Si vous avez une autorité, si vous avez un monde qui vient et régler l'autre bagage dans le bureau, ils sont capables de priver devant le bureau et laisser décider est-ce qu'il y a l'accès ou bien est-ce qu'il n'y a pas l'accès. Et il y a visé les questions à tout Walter Montas, qui fait monter dans le bureau, là, regardez pour voir qui gens, situation les mêmes liées. Donc, c'est une situation qui est vraiment difficile, le monde n'a pas l'air. Retirer le passeport, mon qui fait passeport déjà. Vérifier ce passeport venu, prendre passeport, c'est un véritable problème. Faire passeport encore, c'est un véritable problème qui est dans le bureau immigration, dans le moment où nous-mêmes nous parlons là. Nous avons venu dans Gonaïve, Kounéla a causé insécurité en Cap-Palais. C'est lui qui a actualité depuis hier, depuis après ça qui passé dans la zone de Leste. Mais hier soir, aux environs de 9h47, concernant Bienac 8, un jeune garçon qui est petit, Athanas, qui est à l'école dans la Matignola, dans la ville Gonaïve. Monsieur le Patrice, l'arrivée perdu la ville, côté bandit Zam, t'as l'ouvri côté Zam sous lui, il a pris plusieurs balles d'après information que tu as venue de nous, mais pour qu'on ait aucun détail sur qui ça qui t'a derrière crime ça qui fait ailleurs ou soit dans bien à 8. Et puis gagné ancien porte-parole PNH dans le département de Artibonite, inspecteur Maxin pour échapper de justesse hier matin dans la zone de la Croix-Perisse à une tentative d'assassinat, c'est comme ça qu'on est capable de dire, puisque le bandit Koko Atsa Rasso, Téoué Machina Abvini, inspecteur divisionnaire Téantanine, il a vu un travail dans le commissariat Gonaïve là, et bien monsieur a ouvert coup de balle sur machine. Inspecteur, dans le moment où il y a une grosse tension ailleurs dans la ville, dans la commune Leste. Donc, machine n'a crié à balle, c'est de justesse. Inspecteur Maxin Preux sorti sans que l'il pas blessé dans l'incident. En parlant de dossier police, il faut connaître qu'il y a plusieurs commissariats dans le département de Artibonite, jeudi, qui a fermé porte chose au commissariat. L'Islam a augmenté presque chaque jour dans le département de Artibonite, il y a un commissariat de police intérieure de Artibonite. Ils sont à l'arrondissement de Saline, ils ferment porte li. Commissariat Leste à l'arrondissement Gonaïve, ferme porte li ailleurs, ensemble avec Savio là, qui sont à l'arrondissement de Saline. Commissariat des âmes qui sont à l'arrondissement Saint-Marc, ferme porte li. Commissariat Verrettes là, qui sont à l'arrondissement Saint-Marc, avec un lien sous-commissariat Lien Courant, qui sont à l'arrondissement Saint-Marc. 3 sous-commissariats à l'arrondissement Saint-Marc, ferme porte li. 2 sous-commissariats à l'arrondissement de Saline, ferme porte li. Une commissariat ça qui est dans le commissariat et Gonaïve Leste ferme un porte situation ça et crée gros problème bon côté divers monde qui partent des réponses soit vice délégué ou bien délégué même commissaire gouvernement sur situation insécurité ça cap développer dans le pays. Puis pour nous là c'est commissariat Leste à hier qui était un gros problème côté que bandit armé gang Koko Atsa Rasso qui logé dans la zone la Croix-Perisse te simé la terrain hier mercredi 22 février 2023 dans la commune Leste, dans le département d'Artibonite, lors d'un déploiement qui a fait, eh bien, monsieur était débarqué, il a tiré un peu le coup de zame pour intimider la population et même attaquer à sous-commissariat, qui est policier qui était impuissant face avec les armes bandits qui étaient obligé d'abandonner et sous-commissariat, il est rentré la caillou et si il était arrêté, d'après l'information que nous avons, il était capable de la vie. Donc, la commune Leste, il a été trouvé sous gros contrôle, même gang Koko Atsa Rasso qui basé dans la zone de la Croix-Perisse, Kounéla, commune ça, les communes Leste, les laissés pour compte en raison du fait que le commissariat abandonné par les gens la donne. Policiers qui étaient affectés dans le commissariat fermé porte institution et puis yo même yo mis devant la voile pour pas de victimes même gens à ça qui est passé dans ce commissariat lié en courant 25 janvier passé pour qu'on est là ces bandits armés qui gagnent contrôle la commune Leste d'après information qui t'a venu bandits qui ont été attaqués sous commissariat dans moment que tu as un checkpoint qui t'a fait dans zone là un peu le coup de zame détiré à hier matin donc bandits ont menacé pour même tuer policiers malgré renfort les policiers ont essayé de demander mais ils n'ont pas été capables de joindre ni ils ont été obligés d'abandonner ce commissariat à aller en direction de commune Saint-Marc parce que pas de cavini en direction de ville Gonaïve. Cependant malgré toute démarche que nous fait pour nous capable gain plus de détails beaucoup d'autorité yo nous pas de joindre rien comme information bon côté délégué ou bien responsable la police commissaire gouvernement sur situation ça qu'a développé dans commune Saint-Marc. Réaction pas prendre temps pour tomber ailleurs gagner diverses organisations qui défendent droit monde et associations entrepreneurs yo et tout yo monté au créneau yo fâché le fait que climat insécurité qui a développé dans l'Artibonite là suscité gros réaction côté moun yo vraiment constater que vraiment toute activité a paralysé. Il y a un responsable de la Douamoun, M. Michel Dorgil, lui-même qui est loin, qui demande la population pour qu'on ait la armée, pour qu'on capable de faire face avec la situation. Lui-même passé au l'ordre, pour chercher toute battant qui est utile pour attaquer depuis bandits et attaquer. Monter sans décaboler brigade de vigilance, c'est une sorte de révolte, puisque d'après M. Michel Dorgil, l'État complètement disparaît. En temps de déclaration, M. Michel Dorgil. Les droits humains apprennent responsabilité les-mêmes comme organisation qui défend le droit dans le pays. Pour nous dire, tout le monde est honnête, l'organe de criminalité arrive en bas de la caillou, où elle paraît des cailloux, pas comprendre ou protéger ou même qui en dans la caillou. Dans ce sens-là, nous avons demandé à chaque monde pour yo camper, pour défendre droit yo. Ou gen droit, c'est l'heure où exister l'heure vivre. De pour quitter criminalité, effacer la vie ou, mais des droits humains, pas capable de défendre droit encore. Tout le monde net qui gen zam nan men yo, c'est pour nous prendre défense à qui plus faible yo. Là, on va parler d'une légitime défense. Mais des droits humains, obligés, demander peuple pour l'armer, pour le défendre, parce que institution que nous gagnons qui placé pour capable bailler peuple la sécurité protéger vie et bien peuple là institution ça c'est la police lui-même c'est délinquants qui prennent en otage et nous connaissons histoire pays histoire gang yo histoire crime qu'a fait ici dans pays d'Haïti gens gon paquet agents yo même qui impliqué dans groupe association malfaiteur ça yo eh bien institution policière là il y a genoux. Qui est-ce qui a vu les regarder en dedans police là même qui n'a marre soucis avec criminels yo qui crase institution policière là dans souci pour nous capable remembrer institution pour nous pas désorganiser comme peuple mais des droits humains à demander tout le monde net qu'embé zam nan men pour défendre tête ou pour défendre tout le monde qui bon côté ou quel que soit monde quel que soit l'heure pas fait battre devant la criminalité. Nous vivons nos circonstances, tête chargée dans le pays, eh bien c'est malfrats qui mettent nous là. Nous ne sommes pas capables de tolérer ça. C'est pour chaque monde camper pour nous capables de défendre droit nous, avec zam nous, à manchette nous, à roche nous, à prier nous. Mais c'est son message à la révolte, oui, ou lancer là? Moi, obligé de lancer comme défenseur des droits humains, comme avocat, comme citoyen, l'aime constater au plus haut niveau de institutions policières là, c'est gangsters qui prennent en otage. Nous pas capables de tolérer pour nous gagner des criminels qui font nous crier chaque jour pour nous brasser, pour nous croiser bras nous, pour nous brasser corps nous, pour nous faire manger nous. Ou gagner un commissariat côté policier abandonné. C'est pas premier commissariat policier abandonné. Ou gagner des dirigeants police là qui touchent l'argent de l'État. Qui gagne une machine publique dans le pays, qui a fait des faits, qui par exemple prend pièce mesure pour résoudre le problème. Non. Eh bien, nous-mêmes, comme organisation qui défend droit monde, nous dit peuple là, camper sous des pieds militaires, quel que soit le monde qui a des armes, pas peur qui des armes en main pour contrecarrer la criminalité et nous disposer cabinet avocat pour capable assister tout le monde au malfrinding qui c'est soi-disant autorité ta vinn djou gen zam illégal nan men. Nous avons obtenu des déclarations de Michel Dorgil qui a baillé un mot d'ordre à la population pour prendre la rue à partir du climat et insécurité qui a développé dans le pays. C'est un même constat au bon côté président de l'association entrepreneur dans le département d'Artibonite qui lui-même tout demandé à la population pour dégager nous, organiser nous, pour nous capables de défendre tête nous. Ça les légitime défense. C'est le seul moyen qu'on est là pour permettre population survivre. L'autre bord, et Pierre-Aubert Auguste fait connaître que l'entrepreneuriat pour obliger de fermer l'entreprise, ça qui peut créer un gros problème économique dans l'Artibonite. En tant que déclaration, président entrepreneuriat dans le département d'Artibonite, Pierre-Aubert Auguste. Situation qui révèle Est-Elan, côté gagnant policier qui est dans ce commissariat. L'Est-Elan qui abandonné le commissariat sous pression ZAM bandit. C'est une situation qui est hautement préoccupante et qui, dans l'Artibonite, particulièrement dans Gonaïve, a provoqué un affrontement entre population civile, là, même s'il presque les mains nues, et groupe de bandits qui sont là. Moi, je crois que, contrairement à ça que nous avons dans l'association d'entrepreneurs de l'Artibonite, qui est toujours demandé pour l'État qu'on contrôle du territoire, pour une stratégie qui est faite pour ça. Mais nous constatons malheureusement que ces bandits ont développé une stratégie pour occuper le territoire. Nous demandons aux autorités, aux directions de la police pour affirmer le leadership. Nous demandons au gouvernement pour affirmer le sens de responsabilité pour immédiatement résoudre le problème. Ville Gonaïve menacée aujourd'hui, elle est imminente. Bon, menace là, toujours là. Même quoi que capacité de réplique est toujours là, même s'il n'est pas visible. Donc, en même fois, il y a une situation qui arrive dans Gonaïve, nous voyons qu'elle est arrivée à une affaire de couper tête et bouler caille. Donc, même si le peuple n'a pas de armes, pas de balles létales, mais il y a une façon que les réagissent. Or, nous n'avons pas souhaité que ça arrive encore pour nous aggraver l'image de pays barbare que Haïti a voyé à travers le monde aujourd'hui. Comment interpréter silence autorité aujourd'hui qui va être extrêmement important? Non, on toujours parler de autorité, mais ça va exister. Si il y a autorité qui affirme que pouvait exister. Qui effet ça va avoir, mais qui conséquences nous-mêmes qui dans l'entrepreneuriat ça cap développer après gain sur nos entreprises nous. Écoute, conséquences qui gain les déjà visibles, c'est que pas gain circulation bien, pas gain business de plus en plus. Donc on a assisté à réduction personnelle jusqu'à fermer entreprise. Donc son bagage tout à fait logique et ça commençait déjà gain plusieurs entreprises qui prêtent pour fermer. On a juste constaté des dégâts. Et pas question de constater. Donc, non, je crois que nous avons une situation où chaque citoyen doit prendre disposition pour réagir entre la mieux conscience suivant la capacité que vous avez. Si nous ne faisons pas gens pour nous bloquer ce qu'on fait dans l'analyse, nous ne pas craindre pour nous développer l'autre, tant qu'on canard, tant qu'on matissant, nous ne pas craindre tant que ça. Et bloquer ce qu'a fait l'État. Mais les citoyens ont la capacité de réagir. Je suis sûr qu'ils ont réagi. Donc, je crois que la situation que nous vivons aujourd'hui dans le pays d'Haïti, demande pour gagner une brigade de défense légitime, de tous côtés. Mais c'est jamais vu, on dit depuis le départ Jean-Claude Duvalier. Je crois que ça est beaucoup plus grave parce que dans la situation de lâcheté que Haïtiens arrivent aujourd'hui, d'insensibilité morale et de conscience que les dirigeants, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que ça doit faire? ça que... Mais qui alternative, ouais. Et c'est pas une question d'alternative. Moi, je crois que je dis à légitime défense, son devoir sacré de chaque citoyen. Nous avons des déclarations, président de l'Association entrepreneur dans l'Artibonite, Pierre-Aubert Auguste. Dossier insécurité, il y a un autre cas enlèvement qui est enregistré à Yen, capitale haïtienne. Finalement, nous sommes capables de constater que c'est docteur qui a frappé. C'est un cas enlèvement qui a frappé dans une plus grande institution de l'État dans le pays d'Haïti. C'est le ministère de la Santé publique et de la population. Côté responsable ou bien directeur communication, ministère de la Santé publique et de la population, et docteur Gentil, bandit examen kidnappé à Yen dans Port-au-Prince. Kounéla, c'est médecin qui vient cible privilégié ravisseur. D'après information qui t'a venu de nous, après que tu fin prend Dr. Lugéral Gilles qui joint libération, après que le fin père quantité cob, gain Dr. Genevieve Ati qui toujours en bas mais ravisseur. Eh bien, hier mercredi, individu armé enlevé Dr. Exalus qui c'est directeur communication ministère santé publique à population. Cependant, pas gain aucun détail sur qui bon exactement et yo kidnappé monsieur, mais selon information qui t'a venu joindre nous et qui t'a sorti beaucoup de proches victimes non, au moins c'est à gagné 2 enlèvements qui ont été signalés dans zone commune Verrettes Artibonite mercredi côté gang Savio a opéré sans quiétude. Est-ce que le taladon nous pouvons gagner détail sous information si là. N'a pas allé dans l'autre point de dominer actualité, hein, c'est ça qui est pour avec dossier carnaval, hein, puisque il a gagné un carnaval qui est organisé dans le pays. Hein. Dans le département de pays, hein, il y a un bilan qui est sorti contre la police. 8 personnes jouent une arrestation aussi, 6 autres blessés, avec 3 bandits, mais perdu la vie, mais c'est dans l'autre opération que la police a menée dans la zone deuxième cité, cette Philomène. Il a joué plusieurs âmes, plus d'états correspondant à Jean-Claude Geffrard qui parle en détail sur la police nationale dans le Cap fait connaître pendant la période carnaval là, li arrêté 8 individus, saisi 8 armes à feu illégales, yo bâton PNH avec 28 cartouches différents calibres. Li dit, li enregistré également 6 blessés qui pas grave. En tout cas, ce mercredi 22 février ça, DDN PNH là présenté bilan ça. Inspecteur divisionnaire Arrojan, c'est pas de parole la police là dans nord. La police confisqué 8 armes à feu et parmi les armes à feu ça gagne 5 pistolets 9 mm, gagne un pistolet de calibre 40 mm et gagne 2 revolvers de calibre 38 que la police saisit. Ensuite, il y a 6 personnes qui normalement sont blessées que la police recrutée dans ce qui courait avec le carnaval. Il y a plusieurs gens qui sont blessés dans le parcours carnaval, côté dans la zone côté où on a chaque bouteille. Et il y a quelques gens qui sont blessés en dehors de la ville là pendant qu'ils ont essayé de rentrer dans la caille. Et la police fait 8 arrestations qui sont direct avec le carnaval là. Les gens ont arrêté pour détention illégale d'armes à feu, ils ont arrêté pour voie de fait, suivi de blessures. Et puis, ils ont arrêté tout pour trouble. Dans la même conférence là, porte-parole là, t'es profité, présenté, bilan, quelques opérations, force de menées, dans la même période là, mais en dehors circuit carnaval là, tant pour plusieurs interventions faites, y'en de l'autre, dans la deuxième cité, Saint-Philomène, 19 à 22 février. Ils ont saisi 3 hommes à fait et ils ont tué 3 présumés bandits, qui c'est Blazewan, Ti Boulé et Ludson Zéf. Dans l'autre bord, dans la même période carnaval là, la police fait plusieurs opérations. Dans l'opération Saharo, il y a 3 suspects qui sont mortellement blessés et il y a 2 armes à feu que la police récupère. Il y a une manchette, il y a un bâton et il y a tout. 3 téléphones que la police a ressaisi dans l'opération Sahara. Tout d'abord, nous gagnons dimanche qui était 19 février 2023. Et la police a mené une opération dans la deuxième cité Saint-Philomène. Côté que, dans l'échange de tir avec la police, il y a 2 suspects qui étaient arrivés mortellement blessés. Alors dimanche, c'était un suspect d'abord. C'était Blazewan ainsi connu qui était mortellement blessé dans l'échange de tir avec la police. Ensuite, lundi 20, l'opération a continué des mêmes gangs ça. Et t'as gagné 2 suspects encore qui t'as mortellement blessé, c'est après Ti Boulé avec son son ainsi connu. L'individu Sahara fait partie d'un gang qui a fonctionné dans la ville cap-haïtienne, alors il est jusqu'à Auboyne. dans le département Nord. Et ils sont responsables de plusieurs cas de meurtre, plusieurs cas de vol à main armée et l'autre cas de trouble encore dans la ville de Cap-Palais. N'a pas rappelé, avant même jour Graillot est arrivé, la police a été sortie de notre côté, a suspendue provisoirement tout permis pour moun pour tes armes. Merci en pile, Jean-Claude Geffrard. Nous parlons dans le département sud-est pays en tout. Il y a un carnaval, 3 jours de carnaval qui était organisé dans Jacmel. Et sous thème, en quelque sorte, bilan très maigre. Ça soutient que il y a 35 personnes qui sont blessées pendant la période de carnaval. Dans la commune de Marigot, et le magistrat de la commune de Marigot a retourné 500 000 gouttes dans le pouvoir central de Voye-Bali pour organiser le carnaval. Là. Ensuite, les citoyens dans le département sud-est qui travaillent dans le programme Cash Fort, le gouvernement a mis sous pied. Eh bien, pour que jamais toucher un goût de l'ESCO. Plus de détails, correspondant nous, Christophe Noël, depuis le département sud-est pays. 3 jours ont été déroulés sans trop de difficultés dans la ville de Jacmel. Malgré son carnaval qui était très pauvre en termes d'attractions touristiques, puisqu'il nous connaît un phénomène d'insécurité qui n'a pas de aucune chance pour des gens comme d'habitude qui sont sortis en Amérique du Nord, en Europe, pour venir prendre part dans le carnaval de Jacmel pour venir à l'ESA. Et de toute façon, 20 millions de gouttes que l'État central baille la mairie les justifie quand même, malgré un pile citoyen était opposé à l'organisation carnaval à Nessa en signe de solidarité avec Silao qui dans toutes sortes de calamités dans le pays. En termes de bilan, il faut indiquer que pendant 3 jours grâce à, il y a 35 personnes qui victimes, dans 35 personnes, il y a 28 qui étaient obligés à transporter l'hôpital Saint-Michel-Jacmel, il y a 7 qui prennent soin sous place, victimes c'est des gens qui prennent coup de bouteille, coup de roche, problèmes respiratoires, et il y a des gens qui te prennent balle sous parcours. Nous avons toujours été dans la question carnaval là pour que nous fassions un coup de pied dans la commune Marigot. Pour nous faire connaître que Gemery Marigot qui était tourné un chèque 500 000 goudes que l'État central a été voué pour organiser festivités carnavalesio. Dans correspondance que mairie a été accompagné et chèque ça pour le dévouer dans le ministère culture, eh bien la mairie Marigot fait connaître que 500 000 goudes pas qu'à couvrir dépenses qui t'a de fait pour carnaval là dans Marigot. L'autre nouvelle, ensemble des monde qui travaillent dans le programme Cash Forward que gouvernement dans occasion fête fin d'année pour que jamais toucher un goût de l'esco. Et d'après ça, les citoyens ont fait connaître. Le mairie qui était responsable pour engager les gens pour des travail dans l'occasion ça. Jusqu'à présent, les magistrats ont dit l'État central là pour que j'aime débloquer l'argent ça et pour permettre que les gens qui sont des gens qui sont très vulnérables t'a touché l'argent travail. Mais il faut que c'est toutes 10 communes du département sud-est qui concernées et par situation ça. Quelqu'un qui point de développer pour nous journal ça. Patrice qui c'est petit directeur Athanas dans la ville Gonaïve qui gon l'école dans la Matignola perdu la ville ailleurs dans zone bien accueillie il était aux environs de 9h47 comme ça côté nèg exam criblé à balle jusqu'à présent pour gain aucun motif qui baille qui ça qui t'a des crimes si là ancien porte-parole PNH dans département Artibonite là Maxin pour échapper de justesse à matin dans zone la Croix-Perisse dans tentative assassinat inspecteur divisionnaire t'a prendre dans travail les que groupe banque Koko Atsa Rasso attaqué l'ouvrir machine à coup de balle. Dr. Lugéral Gilles qui était bandit à examen kidnappé dans la zone d'Elman dans Port-au-Prince jeune libération là hier soir après que le tafine payé une quantité cob et ben nous pour connaître qui quantité cob qu'il versé pour le joindre libération. Yon l'autre bord gagnant directeur communication ministère santé publique là nèg examen kidnappé depuis hier jusqu'à présent personne monde pour qu'on qui bord Dr. Exalus qui est responsable communication dans ministère santé publique et population trouvé la journée jeudi. Information qu'on pas de guetan bail 5 bandits dans village de Dieu brûlé vif non yacha ailleurs bandits ça yo qui était sous la mer qui était sous fait en transaction les tap tourné bâtiment était là dedans explosé les là dedans qui brûlé extrêmement grave même les boss pour dire mener à l'hôpital scène que en pile monde était vivant sous téléphone yo à partir de informations que tu as venu joindre. Gagnez 5-6 commissariats dans le département de Artibonite, la sous-commissariat qui ferme, c'est Tirivé Artibonite, Leste, Villa, des âmes Verrettes avec les encours pour Zach insécurité. On a parlé là, la population, en pile côté dans le département de Artibonite, la guerre pour contre yo pour qu'on qui sain pour yo aider. 8 monde de l'arrestation aussi, slot blessé, 3 bandits mourir, c'est bilan la police du département nos pays en présenté après déroulement carnaval 2023 dans Ville au Cap.